sur Bloc Moteur. Salut Christelle. Salut professeur. On se retrouve aujourd'hui pour une expérience unique. Je vous le dis dès le début, c'est réalisé par des professionnels à ne surtout pas reproduire chez vous. Hein. 25 ans de métier depuis 2 ans. Et c'est nouvelle, hein, c'est normal. Et du coup, ce sera l'assistante qui bossera parce que le professeur, un connard, ne travaille jamais. Il regarde les autres travailler. On va donc vous expliquer l'objet de notre expérience. Suivez-nous. Ici, vous trouverez un tuyau de compression d'à peu près 25 mètres sur un manomètre spécial gonflage et un pneu bien craquelé qu'on va vous présenter un peu plus près. Le but, ça va être de le faire gonfler jusqu'en... Boum ! Boum ! C'est parti, je prends le relais de la caméra avec mon assistante. On vous met les préparatifs, plusieurs angles de vue et... Boum ! Boum ! Donc, voilà le pneu qu'on va faire exploser. Vous voyez, il est craquelé. Le but du jeu, c'est que ça fasse boum. Et vous montez les dangers du surgonflage. Ici, le petit appareil que vous voyez au bout de la valve, c'est pour faire sauter l'intérieur de la valve pour que ça gonfle plus vite. Et c'est valable aussi pour dégonfler un pneu plus vite. Voilà, parce qu'il n'y a plus de résistance pour la sortie d'air. Et voilà. Donc, on va passer à l'actionnage des caméras. Pendant ce temps-là, Christelle, ici présente, va désactiver la sortie d'air de valve. Et nous, on passe à la suite de l'expérience. On va placer tout ce qui est micro. Donc Christelle, tu vas préparer le truc, ça y est. Donc tu vas lancer le gonflage. C'est parti. Je te laisse scotcher tout. Moi, je vais actionner la grosse caméra. Allez, par là. Ça va faire boum. Ouais, je suis pas rassuré quand même. T'es sûr du truc là? Qu'on risque rien ici? Christelle, tu vas mourir. Thank you.
C'est pas grave, elle est pas importante. Ça a cassé, non? J'ai rien. En visu, j'ai rien ici. Il va pas péter. Fais gaffe, hein. Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai le caddie qui te protège. Tu vas regarder la pression là? Ouais. Prends pas de risques inutiles. Quoi? Gaffe. Il a 12 bars? 10 bars? Ouais, 8. Ah, c'est, il peut prendre 10 bars lui. Hein. 18, 9 bars, un truc comme ça. Il va pas péter. Bon, Christelle, qu'est-ce qu'il a fait le pneu? Tu peux montrer où, copine? Alors là, on peut dire expérience ratée. Alors là, c'est les coups de cutter qu'on a un peu foiré. Alors pour l'autre pneu, qui est ici présent, là, bah, il est intact, en fait. Je vous ai mis le bordel dessus, regardez. Il est intact. Donc, bon, on va passer à la conclusion de l'expérience sur bloc expérience. C'est sur ce nouveau décor, Christelle, avec mon véhicule expérimental numéro 2, que nous devons refaire, que nous allons parler de cette expérience totalement ratée. Oui. Alors, une promesse, on va faire l'épisode 2 de cette expérience. Et quitte à faire carrément un incendie pour faire péter le pneu, je peux vous dire, les copains, ça va chauffer, ça va péter, mais c'est pas une partouze. Oui. Voilà. Donc, quitte à aller dans un centre auto expert en la matière, par contre, ce ne sera pas Christelle et le professeur, nous enverrons nos deux émissaires, les sous-fifres d'Alexandre et de Christophe. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en tireras de cette expérience? Oui, c'est tout. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur dans la rubrique Expérience Moteur. Oui. Bon, c'est même pas comment ça s'appelle encore la rubrique, hein, mais je pense que ça s'appelle Expérience Moteur. On voudrait remercier nos cobayes expérimentaires. Donc aujourd'hui, nous avons Chacha derrière. Derrière la caméra, nous avons Adrien, nouveau membre de l'assaut. Oui. Et on se dit à très vite. Et il faut penser à liker, commenter, partager, vous abonner. Et surtout, il faut rester à bloc moteur. Et sur bloc moteur, abonnez-vous. Le deuxième, bien sûr. Allez, allez. On va faire rire un peu les gens là.
Hop, toute pop, hop, toute pop, hop. Tu vois? Allez, suis ta lave, merde! La manique de tête, c'est quoi? Regarde, en dessous! En dessous! Ok, super. Vas-y, va comment? Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, Big Mac? Allez, un Big Mac. Bah, menu, non? Un Big Mac? Un menu ou un Big Mac? Oh, un double cheese. Un double cheese en menu. Oui. Ouf. Oui. Non, ouais. Oui, merci oui. Merci de ça. Bonjour. Ça fait un total de 22,60€. On avait une question. Oui. C'est des animaux morts ou des animaux vivants? Comment? C'est des animaux morts ou des animaux vivants? Je comprends pas. C'est des animaux morts ou vivants dans les steaks? Bah, morts, hein. Ah, oui. Ah, bah, c'est que désolé, je vous saute un peu. Ah, je vois pas. On ne voit pas. Le soleil est derrière. Je cache le soleil. On veut pas dire que t'es une lumière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes jolies. Merci. T'as vu tes 31, c'était ça? Ouais, peut-être ça. Tant que ça se mange, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça marche. C'est quoi le shampoing? Hein? Le shampoing des. Aïe, au oh, il like it. Abonnez-vous, Black Motor, les filles! C'est du nickel! La Italie, ce soir, Italie! Ah non, Black Motor, c'est mieux! Si, Italie, YouTube! Salut, les filles! Black Motor! Blackmotor.fr! Bon, je propose qu'on arrête le tournage. Abonnez-vous sur YouTube. On compte sur vous. Likez, commentez, partagez. Ce sera que sur Facebook cette vidéo. Et voilà, l'envers du décor. A très vite. Bisous, bisous. Putain, j'ai les cheveux dans les yeux. Et surtout, restez à bloc. Moteur.